Maintenant, je suis en train de développer un nouveau concept, Good E-Life. Good E-Life milite pour la promotion de l'utilisation positive d'Internet et de ses ressources. Dans un contexte où Elon Musk a utilisé ce qu'il avait comme ressources pour être l'homme le plus riche du monde, comparativement à un jeune Camerounais qui utilisait le même téléphone pour regarder les pornos, de toi à moi. Peuvent-ils avoir le même résultat? C'est impossible. Étant donné que la Corée du Sud a dû orienter l'utilisation des ressources qu'elle avait pour se développer, surtout intellectuelles. Ne serait-il pas juste que des Camerounais comme moi veulent mettre sur pied une association qui va inciter les jeunes à utiliser intelligemment Internet, TikTok, Facebook? C'est une nécessité. C'est donc cette association que j'ai déjà déclarée à la préfecture du Mfundi qui, au regard de la loi de 90, régissant le fonctionnement, la mise sur pied des associations. Je peux déjà dire que en tant que président, selon les statuts, je dois acter pour l'évolution de ses contributions au bien-être national et international. C'est clair. C'est la raison pour laquelle je suis en train de développer une exposition du côté de CAF Comité. Que pour l'occasion, je vais intituler Good E-Life,
J'essaie de transposer, de mettre en relation un puriste, un gauchiste dans la préservation de la nature, de la biodiversité et le patrimoine, et le patrimoine qui doit utiliser Internet. Puisque c'est cette adéquation et cette corrélation-là qu'il faut réussir à établir. C'est-à-dire que quelqu'un puisse avoir la dernière technologie étant dans une forêt sacrée. Bien sûr. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi les questions. C'est l'équilibre entre le monde, la nature, l'environnement et tout. Et l'évolution, le développement. Mmh. C'est une question très profonde. Surtout que. Dernièrement, j'étais ici. Il y a un ami qui m'a envoyé les dos depuis les États-Unis. Tu vois. Monsieur, c'est mal, on rend mon héritage. J'étais un peu couché sur le lit. C'est pas. Je suis d'accord, moi, que cela, 50 ans, c'était impossible. C'était impossible. Il fallait que c'était trop. Là, en moins de 5 minutes, j'ai eu ça. Le résultat de possible, c'est terrible. Et en plein cœur, la forêt, ça. Donc, c'est un peu ça. On fait le coup. Oui. Non, ça y a rien de plat. Si tu veux chanter, tu chantes. Mais je vais jouer un autre son. Oui, joue. Mais là, tu réponds là, il faut que tu m'expliques. Parce que c'est aussi ça la communication. Là, tu réponds à une question précise. Laquelle? Est-ce que Good, il a bien l'utilisation pour le site d'Internet? Militer pour l'utilisation pour le site d'Internet est une bonne chose. C'est ça que tu essaies de répondre en musique. Oui, je dis que c'est une bonne chose. Ok. Là, maintenant, on comprend que quand tu joues, c'est que tu, en plus de ce que tu as dit, tu impulses le concept. Cela est important au niveau des droits, notamment au niveau des droits d'auteur. Parce que généralement, beaucoup de gens sont venus pour des vidéos comme celle-ci, peuvent peut-être les utiliser, mais celui qui a joué peut être nié. Cela demande une certaine rectitude morale. Cela demande une vision d'ensemble. Cela demande une reconnaissance même. Et même beaucoup de justice et d'équité. Moi, en tant que juriste, je te dirais que ce n'est pas la chose la mieux partagée du monde. Nous vous écoutons. Nous vous remercions. Mais vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je suis l'artiste sophrologiste, artiste performeur camerounais. Quel était votre processus, votre cheminement de, du moment où cet instant est né, votre amour pour l'art, pour ce que vous vivez, pour votre vie est née à aujourd'hui? C'est depuis à la jeunesse, c'est un parcours de combattant. Parcours vraiment le combattant. Dis-nous en quelques mots. Ou alors donnez-nous votre vision. Dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez? On est dans un travail de révolution. Quand une révolution a été facile, si tu regardes toutes les grandes révolutions dans le monde, c'était pas facile. Donc c'est un travail qui suit son cours. Un mot de fin. Ah, la vérité reste la vérité.